Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai ya bon weekend bisika bozwami tokomi samedi 24 avril 2021 masolona depute tolingi to solo la bandeko nangai le dossier investiture ya gouvernement Samalukonde de Jean-Michel rencontré hier avec différents députés selon leur caucus respectifs le ebandaki lobby et aussi la les lots sambi pour n'avoir contact wana parce que il y a probabilité que nous puissions investir le gouvernement ce lundi. Rencontre avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec tous les députés, c'est à la cité de l'OIA, c'est prévu aujourd'hui. Cet après-midi, Masolo na député arrestation à Babandi kuna na Katanga présentation il y a armée tolobaki na bino renfort moko ko sakanate on a en fait qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas parler des bandits comme tels. Je peux parler des présumés bandits. Voilà. Il fallait le dire, il fallait corriger. Rencontre, certainement, nous l'avons dit. Quelle est la position? Rencontre, il y a Biro Nabiso, il y a Assemblée nationale, Naba, collègue Nabiso, il y a Ituri, Nord et Sud Kivu, sur leur décision à cosécher la plénière. Masolo bande konanga, toko linga kobeta, moi, mouke mouke, tobeti moi. Mbangu, parce que Masolo est à Ndengwana. Je pense que Tokosa là, un petit tour sur la marche de la Mouka, marche à la Mouka, et les Kindengeni na Kinshasa, parce que Sengaki Yango, et hôtel de ville Balobi, autorisé Yango te, Bango Balobi va Kosala. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La pluie d'hier, dégâts, Yamakasi na Kimwenza, Bana Moutoumoko Misatu, Bakoufi na Kachandaku, Nangonga. Il y a Mbula, tozali kobonga mapona kokita kwa. Kuna voilà bande kolangai masolo tolingi to beta to solo la kamwa muke. Voilà bande kolangai descente ya ba étudiant ya faculté à l'université de Kinshasa, ils allaient qui prévu le lot ba décalé yango pour 2 semaines pambaté moko na bango atiki auti ko tikabiso. Je profite de cette occasion pour présenter les condoléances le plus attristé na faculté de droit et à l'université de Kinshasa. Voilà, ils ont dit là, il y a Batunyoso, Ningena Ebisakabino, lobby c'était les obsèques, il y a Idriss Déby, l'ancien chef de l'État. Il y a, en fait, qu'est-ce que j'ai dit? Le chef de l'État tchadien, Oya Koufi en fonction, Bakunaki lobby, Kuna, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté de Macron, et les qui, Ningele Kakiwana, et il est rentré. Il est rentré à Kinshasa. Et Zandela Yabato. Yangona loba kanabino, kobo mande kona yo ponanini. Parce que bilo kwa moki, déjà bilo kwa moki. Oko salande kona yo mabe, pourquoi? Parce que nyo soto kouta nase, toko tika ngona se. Ata soki wa masse, tout ce que vous pouvez amasser, le jour que vous allez mourir, c'est 2 mètres. Ici. Et bitumba, ndeko ya kobi. Yango pena lobaka na batu boyebi mutu moko afongoli une grande société na Bandundu azui atie bandeko na ye ka bandeko na ye société wana évolue te et kufa parce que mutu akoyokela ye mawa azate mawa izate. C'est ça aussi la difficulté. Lobby na talisa kibino na lobby dossier oya Willy Bakonga il est en difficulté. Je n'entre pas dans les fonds. Yamakambu ya koyiba to koyiba te. Je n'entre pas là-bas. Nazoloba, nazozo kana ndenge ya kimutwaza na difficulté. Alobi, l'unique solution na kotiko se couvrir en attendant que la procédure ne continue, ezaya ko recouvrer ba humilité. Nazonga ki sénateur. Azwale ki naye atiana sima. Le ki naye apiclé. Dans le bureau provisoire du Sénat. Et du bureau provisoire du Sénat. À défaut de se prononcer dans les délais fixés, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur. Honorable Président, vous allez se souvenir que lors de notre élection du bureau définitif pour le premier bureau, Willy Bakonga n'était pas sur la salle pour la simple raison qu'il avait renoncé à son mandat de sénateur. Et au moment où je vous parle,
lorsque la sortie ou la publication du gouvernement Ilon Kamba pour la première fois, il était député national, il a eu la chance d'être nommé ministre d'État de l'EPST, il est allé, c'est sa femme qui était la première suppléante qui a été remplacée à sa fonction. Alors, je suis étonné qu'heureusement, aujourd'hui, il y a une lettre qui vient encore à l'Assemblée nationale et par au Sénat pour la validation de son mandat, au moment où il avait déjà renoncé. Donc, honorable président, je demande à votre sagesse, au bureau et à l'Assemblée plénière, de pouvoir rejeter carrément et simplement, car il s'agit de l'usage des faux. Merci, collègue. Vous pouvez couper le micro. Merci, honorable président. D'abord, je rappelle que la communication du bureau n'appelle pas de débat. Deuxièmement, nous avons le devoir de porter à la connaissance de la plénière toute correspondance importante qui nous parvient. Et nous estimons que celle-là en est une. Troisièmement, les problèmes internes à votre famille n'intéressent pas la plénière. Si vous vous sentez lésé, vous allez saisir les cours et tribunaux. Pour nous, lorsque nous avons validé le mandat ici, le nom de Willy Bakonga était bel et bien repris comme sénateur. Et donc, à partir du moment où il nous saisit, nous, administrativement, nous prenons acte. Et c'est ce que la plénière a fait. Et donc, s'il y a... Vous ne pouvez pas ouvrir le micro sans permission, monsieur. S'il y a un problème, vous allez le régler soit au niveau des cours et tribunaux. Voilà. Wana leki ndeko ya Willy Bakonga. Alors que le succès ya Willy, ni tete Willy Bakonga, famille na bango ermoko linga ke banate. Il y a quelqu'un qui s'est battu. Et voilà. Yango ngai na kota kana ba considération tribalo ethnique te. Mitualité ngana kendaka te. Ce n'est pas parce que botama na enda zande konayo moi. Naza mutuna mutwazana ndenga monela kama kambu, mais eloko ngana kolo bana bino. Et zande que tolingana entre biso ba congolais. Je travaille, je suis à l'aise na ba collaborateur nanga ba liki nanga otuzana bango depuis des années. Il y a moins de quoi que parce que makambo a famille ezate tozawa na biso eloko esangisa biso za musala tozo travailler. Mais quand vous arrivez à un poste autant d'ici kaka bandeko nayo bande, voilà, il faut qu'on tire les leçons. Yango na lobaka na batu nanu osala geste te na vina yo oyo ko tiko se pelisa nzambe parce que na obima dehors ya famille na yo. Je le dis aux gens, nous tous nous avons des familles. Na lobaka na bino na zana 18 orphelins, 18 bao bazana mapeka ao 18 orphelins ko tangisa ko latisa ko liesa ko melisa ko lalisa 18 orphelins. Ils ont à peine ba orphelina ba zakana ba 18 orphelins ba 15 orphelins. Mais quand nous faisons tangu bomonaka to kitina ba orphelina regarde-moi. Ça va toi? Ça va bébé? Vous allez bien? Oui. Pourquoi tu m'es vous? Bien, mes amis. Où est la chemise? Hein? Hein? C'est bien. Mon indenge toye boy na la kaki binoke na toko bunda uketoya na tata oyo oyo ebie
Nani wa? Papa Didier. Yonde papa Didier. Didier na yeba kateko za papa pejina. Alors, nazo répéter makamu na uti koloba na bana. Monyo so e forte zo sal. Des fois, de komo kwa kope sa 10 dollars, ou ya pe si 20 dollars, ou yo ainsi to sangisi, na ou ya biso, to ye to sali action. Ba action ana to zo sal. Ce n'est pas to kobanda ko sala chaque jour te. Le mal, j'insiste encore. Papa nanga, nazaka mutu mabe na niveau moko boy. Yoka mabe nanga. Ndenge to yena ba éponge, ah. Nambe tuto tike liban. Un jour nakoya sans kenala la cabine. Tout comme ya kole. A contrôler seulement ke bana bazo lala na ba conditioning. Parce que quand on amène quelque chose, il faut être là au service de ses enfants. Le mal n'a pas onge, c'est tout. Il y a ban, j'insiste. Et comme à l'école, à moi, business, mon koboy. Quand on a un matelas, boy, lobby, moutoumoussou a koya, au commande, bazo la kisaye, matelas, on est zakate. Bana va la la kana, c'est là, ça ne va pas. Nazana estime pour Nabino, parce que vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Cet aspect-là. Vous avez tout intérêt à cause ça là, une différence par rapport aux autres. Tolongwe kuna toke na orfelina msusu. Toute la coordination de Tokotua Petit Moussala Ndeli Moussou. Parce que ceux qui sont là, ils sont là. 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 Ils
Papa Alpha. Dis merci. Oui, avec ta cabine dans la main. Oui, avec ta cabine dans la main. Mais elle est au pétanque. Lavage au bilamba.
Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un vendredi passé, Nazaki na 6e rue, Nandako est honorable. Nakendaki na quelques bana bazawa, Kouka honorable. Nakouta kete, nakouta papa Pierre. Ayambaye biso, Kisoula enaye, en tout cas, il était malin. Et papa Pierre est bien en allant sous la cuisine. Parce que les gestes sont malins. Et Marca qui s'est bon à la. A tout n'a qu'il y a qui va pour ça la bine et sa ligne. N'a mais qu'à cause la défi pour courant. On a comme un défi ou un an. Ça là qui s'est pris. Merci. Il y a comme on a qui. Ma bienvenue est que honorable a décidé de longo sengi et zoya. Na katia centre orphelinat les bons bergers, tous en aban 71 ou balala ao. Mais tous en a 6 éponges. Donc tout tchara ban en a milaï. Na kotisi ba demande na ba député ya tchang. Na kei na présenté ba obana na monia ta député mon côté. A sali on négolise la sali. Mais Aza Eli Yalukun. Mais allez. Député national, tant que Bazolo, député national. Eliezer Aza, député national. Solo. Tous autant la situation n'engue bana, bazo la la nasse. Omoni situation avec bana bazo la la nasse. Après oyé ko apporter bambetu na bamus pour que bana wana ba se sentir pe bana lokola.
Mais je peux vous dire que deux fois, orphelin ngai ermoko balala kana ba condition anate. Mais j'ai dit, on doit faire quelque chose. Oui, on doit koloba. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Oui, ça dépend de la manière dont vous utilisez ce respect-là. Ou la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça dépend. Mais nous estimons que il faut viser plus haut. Il faut viser plus haut. Mais tant que vous avez un tolongwe, tout ce que ba personne avec handicap, bino bozomo na neti na zo baby sa yo wana ba kokoma na cabinet na yo oyo ndeko na yo oyo ndeko na yo oyo ndeko na yo oyo donc cabinet wana muno kwa mboka na muno kwa mboka d'abord ba ko beir yo te ba ko sala musala te parce que ba ko sala la kindeko muto ko simba ya za te eloko zo bo mapele eta yango wa. Hier nous nous sommes rencontrés avec le premier ministre chef ya gouvernement na fleuve Congo hotel. Tant que tu as na yekuna, bazalaki ye na président na biso assemblée Mbozo. C'est le président qui faisait la modération parce que yenda zoyamba. Bazoyamba par caucus. Biso caucus ya ba élu de Kinshasa, bayaki koyamba biso na un peu plus tard, c'était prévu à 18h, bayambi biso à 20h passé. Le président a parlé. Le premier ministre a parlé de son gouvernement. Après, Bapé Sibiso Maloba, voici ce que j'ai dit au Premier ministre. Nalobi, monsieur le Premier ministre, Kobanga na yote pour investir ya gouvernement. Parce que ça gouvernement na yote. Et ça gouvernement na biso. C'est nous qui avons voulu que gouvernement wan existe. Et yon ne waza wana waza émanation na biso za lokolo. Ozo zela pour que tobo ta yote. Les chefs de l'État, Atchatio Kanazemi, Ndenge Bible, Balobakake, le Saint-Esprit qui était sur la Sainte Vierge Marie, à concevoir. Mais il fallait que Marie wana bota. Mais Batusko bazo bota. Moi, nango to bengi gouvernement. Ils abissent au parlementaire, l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je ne condamne jamais ceux qui nous font pression à que tu investisses le gouvernement. Bande Koranga, ceux qui doivent supporter pression T, il y a population. Alors que Biso Tozaba représentant la banque. Si tu dois supporter pression à Nani. Tu dois supporter à Nani. Parce que tout ce que la population fait, tout ce que les combattants font, et c'est normal. Biso Tozaba simple. Je ne cesse de rappeler ça aux amis. Nous ne sommes que des représentants, Yabatoua. Et population, le bibi sont toujours souffrir. Tous en a posé à Kosoa, on a bino wanate. Bino, hein, pour investir dans le gouvernement. Et j'ai dit au premier ministre, nous allons investir ce gouvernement. Mais yoka, tout l'ingito yoka, oh le la tête. Parce que ce qui crée l'argent, c'est la tête. Ngai, na yoka kanzoto, malili, tant qu'on a yoka kabozolo, le Congo n'a pas d'argent. Le Congo n'a. Même ceux qui te l'ont li minéré, to tchango mupanzi. Pourquoi on ne peut pas créer? Les pays qui n'ont pas de minéré, ba vivagate. On doit essayer de rentabiliser ce que nous avons. Je lui ai fait remarquer l'importance du ministère à transport et voies de communication. C'est un ministère générateur de recettes. Et on laisse comme ça, ça part après, tous en a mongoté. Nathalie Sienna Lobby, Excellence Monsieur le Premier ministre. Aussi, on a wapi, bino même, n'engozawana, depuis, bano meyo. Yo pe wana sens unique. Et ça la kate. Nous devons presser par l'exemple. Si vous ne voulez pas organiser pour que vous se déplacez facilement, alors, je ne sais pas. Subissez aussi par conséquence, il y a un embouteillage. Pas comme dans un pays où, d'un endroit, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de sanctionner vous avez un peu de temps, 2000 francs, un peu policiers, ce n'est pas possible. Et vous avez un le pays n'a pas d'argent, mais attendez. Et je le fais remarquer dans le lobby. Ah, Kinshasa bisika to yambio. Parce que, ah ouais, bisika to yambio, ezana lukunga. Monsieur le Premier ministre, ba érosion denge ezali. Boyoti kuna na kimwenza ke bana misatu bakufina ndako. Eza pona mbula. Mbula wana eza pamba te. Il faut kotala bisika nini batongi, bisika nini bazali. Ba érosion, Kinshasa kobunga. Lukunga e kobunga. Tosi to kitana ba ministre. Tosi to kitana ba tu ya OVD. Excellence, monsieur le Premier ministre. Chef du gouvernement, la priorité na yo,
Et ça parce que kuna batu bakomi ko benga biso bayaka picnic deke bamoni kama eh ba ye picnic. On était là même le dimanche passé. Na ba collègue nanga, honorable Kalonji et honorable Doug. Oyo za. Oyo suko ezake. Oh, ezake zo besas. Eh na lobi kaka. Est-ce que tu es là? Ah, tu es là. Je suis 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 Le président. Oui, ce qui continue à vous matin. Mais c'est sérieux. Parce que comme ils ont voir mal. Les bandits, les lotés, oh, ils ont suivi 8e année. Nous litons, il n'y a rien. Pourquoi comme la banda, tu as déplacé. Tout a été Ntumba. Ntumba. Oh, il y a combien de fois mon ébisson à Birona. Même monsieur Nanyo a qu'un matin. Oui, si, embarrassé. Voilà. Population ta bazo mona biso bazo ki pété parce que balobi za ka picnic batou baye nde yango na sima nango na kitaki ko kende ko fongola kamwa biro ya muke na miteni o boko mona ndenge ba mama bazalaki kozela biso Thank you.
coordination de Mitendi. Au nom de toutes les cellules réunies en ce lieu, nous vous disons merci et bienvenue. Lokola tozali aboye, toyebeni nesangi simiso. Toye pona inauguration ya bureau ya coordination Kinshasa Ouest ya club tokomi wapi apibawa na Mitendi. Yango nde moto esangi simiso awa. A l'occasion, honorable président national, ya club tokomi wapi Ndeko Eliezer a tamboli mon côté, ayena badinga na ye ba député nationaux, oyo ba lobi ba tambola na ye longo mpona koya komona ba tata ba mama ba ndeko ya Mitendi. Eza mabe to eza malamu? Est-ce que tokoki kobetela bango maboko mpona présence ya bakati na sibo? Très bien. Lokola ndonga na biso pusi. Tozo tali sabino ke biso tozali bapayete, tozali bana ndatu. Pona kotali sa ke Mitendi ezali site oyo yebani. Kolela yebana Mitendi, makambo mubandaki koyebisa biso bisika nyoso bandaki kotambola. Yango lelo nde mwana na bino mowumbu na bino na kombo ya honorable de Kwedeze. Aye kokokisa pona konore population ya Mitendi Kivula. Est-ce que pour la honoration d'honoré, il y a beaucoup de temps à votre? Ma maman, bote la bino. Ma papa, bote la bino. Tu es pour ça la discourte. Tu peux s'excuser d'abord pour un retard au Tobandi Nango Miloulou. C'est parce que Bandeko ya maman, Koko Bazoua qui vit sur moi tant et belé. Lelo toye ko fongola biro na biso ya Mitendi. Olye ko maloko la calvaire mutunyo so même ce qui a zana problème fo kende ka kuna na komina Kinshasa. E na na kati ya biro to zali ko fongola na bandi moi activité ya formation muke ezali. Je pense que tu peux découvrir biso na biro qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup. Biso ya inauguration ezo sala na loko la bon. Votre bureau, notre bureau et les centres que vous avez voulu mettre à la disposition de la population kinoise en général, de la coordination de Kinshasa Ouest en particulier.
Et je lui ai fait remarquer aussi une chose. Na lobby, Excellence, Monsieur le Premier ministre, au moins il a gombé out. Ba forage, na ba forage. Ba tuwa futa galisu sur régie des autres. Bolingi société wane fonctionner n'engeni. 24. Donc,
Bon, ils ont fait fonctionner régie des eaux. Ce qui l'État peut s'y être. Ils ont bon, ils ont dit, ils ont vendu cité. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des météo, oui, un peu. Et il y a des mitendi. Il y a des gens qui m'ont dit. Donc, ba o wana ndeba futaka ba toa selembao ya bumbu ya makala ndeba futaka mais le reste gombe kama gombe wana 240 forages monsieur le premier ministre et ça va ça fait 5 jours ça va s'effondrer bokomona na ba étage o ezali même ba hôtel ya minene minene wana bozomona ezala ba hôtel du fleuve ezala ba pullman ezala ba ni banani lisusu ba futaka régie des eaux et ce n'est même pas organisé. Cette loi-là sur l'eau, allez, on prend, quand on bon wamouke, va péter la régie des eaux, c'est tout. Batou batika likoun. Et ça, la Babra Lima, Babra Congo, toutes les boulangeries que vous voyez, nana utilisa. C'est l'eau des forages. Et comment vous voulez que la société puisse se relever? Comment vous voulez que cette société-là puisse fonctionner? Même Batouango, Bawele, là, au Kindeko, que se faire nommer Kounanga na habité. Je lui ai fait remarquer ça. Et le premier ministre nous a répondu. Tokota la ye alak. Parce que makamounios na bakisi li kamou ya courant na maï na kisasa. Et j'ai fait ma part. Parce que d'abord, dans le secteur à transport aux voies de communication, combien d'emplois Tokoti vous créez? Combien? Combien d'emplois? Toko créez belé. À travers la création de brigades, il y a surveillance routière. On peut créer autant d'emplois. Au lieu de surcharger, il y a un ministre à Signaka qui a arrêté, engagé à 3000 personnes, dont la majorité Bande Konaye. 3000 personnes. Bande Konaye, il y a la province, il y a la province. 3000 personnes. Jusque là, il y a 1500. 1500 en attente. C'est le problème qu'attend le premier ministre. Qu'est-ce que j'ai dit? Le ministre des Transports. Mon amboka serait bien au Kenya. A Kokou ta dossier wa. Mais on peut créer. Et là, comme nous sommes engagés, nous sommes engagés. Et au Kokou Tambou. Cette population-là, au bas de salabiso pression, il faut qu'à tout investir. Lobby, lobby, ce qui va se retrouver, c'est Bango Kakande Bakotambo la Lissus. Mais la conséquence, c'est que Bango Bamonaka, ba membre du gouvernement Penzate, Bamonakande Baelina, que nous sommes. Et. J'accepte la pression de la population parce que je ne suis qu'un simple représentant. Ceux qui ont dit que nous avons dit que nous avons un problème. Jamais. Nous avons un problème. Et le lot qui a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toi, mais quand tu échanges, tu as dit que tu as dit que tu. Est-ce que les apports de mes collègues ne sont pas mécontents? Est-ce que le chef de l'État a une communication à faire aux députés? Est-ce que tout ça, ce sont des questions. Mais entre-temps, bah, de Konangai, nous avons un lobby, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mboso, à la tête, il y a tous les bureaux. Parce que j'ai vu l'honorable Jean-Marc, tous les collègues, tous les bureaux. Bayambi, Bandeko, il y a Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Mais tant que Bayambi Bango, Bayambi si Bango, quand on est dans le bac, ils ont séché des solutions. Parce qu'on n'a pas un gouvernement responsable. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Mais avant cela, je prends le propos. Il y a ma collègue, il y a ma province Misato, Bazali qui s'exprimer sur ce qui se passe. C'est comme si vous me demandiez d'attendre qu'on arrête d'abord de tuer parce que nous, on doit investir le gouvernement. En ce moment, on est en train de tuer. Entre investir le gouvernement et les tueries des personnes humaines, qu'est-ce qui est prioritaire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora. Je vais ajouter quelque chose. Ah, ok, d'accord. Okay. Okay. Ce n'est pas simplement par solidarité que nous sommes sortis. Tiens, Nico. Dans toutes nos provinces, il y a plus d'une semaine, 10 villages ont été brûlés à Kahololo, à Bibangwa, dans le territoire d'Ouvira, au Sud-Kivu. Ce matin, deux villages viennent d'être brûlés.
toujours à Kaolol, dans le territoire de Vira, en chefferie de Bafouri. C'est pour dire que toutes les fois qu'on brûle ces villages, il y a des gens qui sont tués, il y a des populations qui fuient. Dans les moyens et hauts plateaux de Vira, de Fizi et de Mwenga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés et les populations sont en errance. Nous en avons parlé. Je crois que vous avez suivi certaines présentations, certaines. Mais ça devient comme une habitude. On nous considère comme des pleurnichards. Mais c'est des populations, c'est des vies humaines qui périssent. En fait, aujourd'hui, c'est un signal fort, c'est un ras-le-bol pour dire à quoi ça sert de continuer à voter les lois pendant que les populations sont en train d'être décimées. Que fait le gouvernement? Il y a un nouveau gouvernement, il y a un ancien. Les services de l'État doivent continuer. On ne peut pas nous dire qu'il y a un nouveau gouvernement. Dans l'entretemps, on continue à vivre, on continue à manger, on continue à travailler, on continue à être payé. Tous les services fonctionnent. L'armée est là, il n'y a pas une nouvelle armée. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les députés et toutes les tendances confondues, sans nous mettre d'accord, sans réunion, on a décidé après une motion d'arrêter de continuer à voter les lois si rien n'est fait au niveau. Mais il y a une chose qui s'est dit déjà depuis très longtemps, depuis le président de l'Assemblée l'a dit, c'est que les députés sont en complicité avec ces rebelles qui tuent la population. On vous a demandé de quitter les groupes. C'est une phrase, je ne veux pas la qualifier, mais je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il a dit. Okay. Si vraiment il y a des députés qui sont avec les groupes armés, on a des services de sécurité, on a l'État. Pourquoi on ne s'en charge pas? Est-ce qu'on a déjà amené un dossier ici et le Parlement n'a pas levé les immunités? Donc là aussi, c'est encore une fois les services de sécurité, le gouvernement, le pouvoir, l'État à agir. Il ne faut pas simplement faire des appels. Je crois qu'on a dépassé le niveau de faire simplement des appels, de conscientiser. Il faut poser des actes. La face dans la sécurité, dans l'insécurité. Il y a à peine deux jours, comme on est ville à Bounia, les gens qui ont un problème, comme on est à Koundé, où ils allaient village, Yoko, mais tous les gens qui ont un problème. Alors, à Wabiso, comme on est tout dans la biso de ce gouvernement, parce que Biso, tu allais émanager la population Oyo, à Zako, la population Oyo, à Zali, coller la. Les palais du peuple, la salle de plénière, pour annoncer officiellement que nous ne prendrons plus part dans les activités parlementaires ici, parce que les électeurs qui nous ont envoyés continuent à mourir chaque jour. Ils meurent le matin, ils meurent à midi, ils meurent le soir, ils meurent la nuit. Alors nous sommes fatigués de ces histoires-là. L'État congolais doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale doit tirer toutes les conséquences. Et nous rentrerons seulement dans cette salle les jours où la sécurité va rentrer dans notre pays. Entre-temps, le gouvernement demande au caucus du Touri de prendre la langue avec lui. Vous ignorez que le collègue qui a présenté la situation dans la salle a dit quoi? Il a dit que toutes les démarches ont été amorcées. Nous avons fait, au cours de l'année 2020, nous avons fait plus de 5 déclarations politiques. Nous avons rencontré toutes les autorités du pays, jusqu'au niveau du chef de l'État. Mais il nous manquait seulement de rencontrer Dieu qui nous a créés pour qu'il y ait une solution sociale. Et nous passons au niveau de ces Dieu-là, nous donnera. Merci. Voilà. Malobana bango yango. Mais Tolobi, ce n'est pas en restant dehors.
Il faut boyer à t'investir. Qu'on ait quand même un gouvernement responsable. Mais quel que soit ça, reconnaissez quand même l'effort du chef de l'État. Reconnaissez quand même l'effort du chef de l'État. Mais je vais vous mettre l'extrait de notre collègue Mbindoulé, Eli Aboutembo, sur la liste UNC. Dans toutes les activités de l'Assemblée nationale, elle n'a rien à voir avec l'investiture du gouvernement. Nous, nous pensons que la sécurité concerne tout le monde et la sécurité d'abord avant toute chose. Et ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Ituri, en Bunia, c'est inacceptable. Si vous êtes dehors, on ne pourra pas enregistrer une majorité écrasante lors de l'examen et de l'adoption du programme du gouvernement. Si on sait que nous sommes une majorité écrasante, et pourquoi on ne trouve pas la solution à la situation des Beni, il n'y a pas la paix en Bunia, à Ituri. Mais c'est justement ce gouvernement qui sera installé, qui aura la mission de la question sécuritaire. La sécurité ne concerne pas ces gouvernements. Ceux qui font la guerre, ce n'est pas les gouvernements. La guerre est faite par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces forces armées sont commandées par l'état-major général, par le commandant suprême. Nous voulons le lancement des opérations de grande envergure. Nous avons suivi le chef de l'État, il en parlait de l'offensive qu'on va lancer d'ici là. Et nous espérons que quand on lance l'offensive, nous nous entrons. Nous allons commencer à siéger parce que nous voulons cette offensive. Voilà. Ça, c'est mon collègue Mbindoulé. C'est mon collègue Touzana, est député. Mais Bissou Touzana, nous va député stagiaire. Lui, il a son troisième mandat. Mais quand même, Malobanaye, quelque part là, à Betimoa, à Libaku, vous n'allez pas détacher l'armée, ceux qui font la guerre, à l'exécutif. Vous n'allez pas. Si tel est le cas. Alors, ministre de la Défense, Moussala Naye Zanine, parce que nous sommes dans un système. Le système, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Nalobi, c'est dans l'interaction. Ils habitent mon côté de Bokosala. C'est dans l'interaction entre nous, Parlement, et vous, exécutif. Et aussi le judiciaire. C'est comme ça. C'est dans ce triangle-là. Mais ce qui t'osa, n'a gouvernement responsable été. Le chef de l'État fait sa part. Pour preuve, le chef de l'État a envoyé, en attendant, il a envoyé, et Batouna Goma, Sepeli. Vous pouvez suivre encore ces reportages-là. Une colonne de véhicules phares décès sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo. Pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille autorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très 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 heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour les majors Ndike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui mettent à mal la quiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre façon de présenter à la population de Goma que son armée est là et elle est prête à parer à toute éventualité.
Cette patrouille terrestre était appuyée par les hélicoptères de guerre des FARDC. Oui. Yango anate. Population se peine parce que le chef de l'État ne dort pas. Bokani sete kazo lala. Il est préoccupé par la situation. Mais à l'obakana biso, isona bino, les collègues Mindoulé qui vient de parler. Azala tuwano, les collègues Moïndo qui devient ministre aujourd'hui. Bazala tuwano, biso nyonso. À l'obana biso, on a besoin de députés qui vont nous dire la vérité sur ce qui se passe à l'Est. Je m'adresse à nos députés, frères et sœurs, qui ont été élus par nos compatriotes de l'Est. Donnez-nous les informations nécessaires. Qui est réellement le véritable ennemi du peuple dans ce coin-là? Nous allons le neutraliser. C'est de ça que nous attendons de vous. Comme ça, Bissot, toi aussi, l'Isabitumbawan. Mais qui dit la vérité? Et aujourd'hui, il va encore nous recevoir. J'aimerais que vous soyez là. Boloba, vous insistez, que vous puissiez donner le piste parce que vous avez une expérience. Le chef de l'État, il est à son premier mandat. Bindoule wana tozoloba. Aza, à son troisième mandat. Et puis, bazala kizala ki na ba groupes armés, ainsi de suite. Baza quand même, moi, expérience. On ne peut pas se targuer. La connaissance, la meilleure connaissance. Ya Makambuya Est, ça se référait quand même à Bango. Parce que Bango va ebi. On voit les vidéos, Bazo Kangabatu, Bazo Tangabatu, ainsi de suite. Tout ça, ça doit venir des élus. Mais Bande Konangai, on va sécher Tolobiti, Bako déclencher. Mais déjà, il y a un signe. Ces militaires qu'on a envoyés, Yangwe Kimisi Bato na Lubumbashi te. Yangwe Kimisa Kina Bato Makasi Bakim. Et kitikaka, batika tavana ba kitikuna, batu ba poudre. Insécurité au Zala ki babo mina kamalondo, babo mina maki, ainsi de suite. Voilà pourquoi on a eu à mettre la main sur ces gens. Simama, ile bunduki unatosha. Bobi na porte to hii mona na jet. Ile bunduki unaipata namna gani? Mke ana. Sema na nguvu. Tulikutania kumore. Akanikushia kanzu. Na shuka. Kule hapa mzinga. Akaniuliza mama, unaweza kunipatia 500 ya bunduki? Akamuuliza hivyo. Sasa wewe unaacha kazi? Utauzisha mtere gani? Sasa hiyo bunduki ni yako? Kata telefoni. Akasema ni yako. Kamata tu hayo mama. Kisha wanaambia utaniuzia mama. Mkasikilizana pesa ngapi? Yeye. 100. 100. Ulisha mpa ngapi? 50. Unampa 50. Ulisha mpa 50. Ingine utamupa siku gani? Yeye. Na anasimulielewana utamupa siku gani? Alikuwa anasema atakuwa kusikamata kesho. Kesho ndio ungemupa. Sasa bunduki ungefaa nani? Mimi. Nani alikutuma kuuza? Sasa yeye alinituma kama tamaa. Njoo mimi nasema mwenyewe alikuambia umuzie hayo ni nani? Sio mpata. Yeye alinituma nitafute. Ndio kiona ranguraka kisha unauzisha. Yeye aliniambia mimi namwambia simjua tabu ya bunduki. Bo au vijio uliviuza namna gani? Nyangula hayo tuone. Uliviuza namna gani na wao vijio? Nani alikutuma sasa kuuza? Yeye ndio aliuzisha, nani ndio mwenye alikutuma kuuza? Eh bien voilà. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Admettons que bandeko yakatanga balo bake. Non, biso toko sécher jusqu'à ce que la sécurité revienne. Il y a la volonté du chef de l'État. Mais si nous les complétons, soit qui to simani bandeko nangai bokomona ndeye makambo ko changer.
Et que la malam, c'est dans la complémentarité. J'ai toujours prêché l'unité, la complémentarité, l'amour entre Congolais. Que nous allons résoudre les problèmes. Ce n'est pas en restant dehors pour que le gouvernement ait à la bloquer, ait à l'investir, tout. Mais à ce que je sache, dis-moi que je me trompe, c'est lundi. Si tout va bien, le gouvernement sera investi. C'est lundi. Et qu'on a investi pour que tous les cas n'a pas Makambo Missus. Na lingina suki sabande konanga parce que le lois à week-end quand même, il faut tout tiquer la bino moi temps. Na dossier, il y a marche à la mouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? Ville les alakin dengenin. Didier Kikou, na habite soki oza ici kanini, oko kako ebisabiso. Nini omoni na kati ya marche ya la muka ya mkolo mwalilo. Thank you.
bandeko après qu'on s'annonce biso wana bel et bien Martin Failou asina jeep noir wana bozo mona ba image toza ala sur le terrain to ye ko sangana to lela to tambola pona bandeko na biso ba kufa na est yango to ye awa pesa makambozo concerné mboka to ko tambola to relaxa bino match yango ko suka wapi yo le capel lenge nini mboto ndeko so nini te ko kufa pona Martin Failou pona bandeko to est to kufa pona bango bele to kufa na biso to nini yango Thank you.
Merci beaucoup, c'est ce qu'a été la marche de la Mouka. Yamukolo Mualelo, et c'est ce qu'a été aussi l'ambiance de Kinshasa. Lelo Mukolo, Mukolo ya marche wa. Je ne peux plus que vous dire merci, Bande Konanga, parce que nazo suki sawana, mais sachez les bana Dubaï, j'ai fait un service à Zokomawana, je crois que c'est dimanche. Hein, c'est dimanche déjà, j'ai fait ma koyana Dubaï pour nous installer agence et j'ai fait un service pour na lobaki na bino fois passé que bazo travailler li susuna Mariam te. Ceux qui m'ont contacté, Mariam, pas contacté, Nandenge Naye, mais j'ai fait un service. Descends là-bas, à Dubaï, pour installer. L'agence n'a pas tout. Oyo, Babenga qui, parce qu'à Kotika, à cause de Batunde sur place, Bato Bazan à Dubaï, qui estime que Bako travaille Naye, Bako Bengaye, na numéro 1. J'ai fait un service, Bako Tanaye en contact, il viendra lui-même, il va se sélectionner. Bah oyo akoki ko affecté ici kawana mais loko na kolo babande konanga nazo assister eloko oyo mingi nayo kaka soni balobaka ke tozana ba bana baza malnutri la malnutrition na mboka na biso nayo kaka soni kotala mabele tozana soki otali betandu kaka wana plateau de bateke Kinshasa oyo eko banda eko kata bilanga ibandi kolie sabato. Et il faut qu'on retire bateau, ba somba ba hectare, nazana 150 hectares. Asala kana ye logo mokote. Asala ke logo mokote. Matite vanda ningwana. Ko pesa bato ba kotiko kata bilanga. Kinshasa mabele tozana ngo, toko tiko banda. Biloko akoli ya masangu na biloko mususu zo longwa awa. Ezo kota bandundu, ezo kende. Parce que toza tellement na mabele. Les tracteurs de l'État sont là. Mais au coquende kuna nazana 150 hectares nazana 200 hectares c'est pas possible ba tu pena mboka na yoka ki soni tangu na yoki ke na Louisa Kamai 60% ya bana malnutri siko bozo sala nini mabeleza wana ya kokata bilanga ya kolesa bana nguba ya pondu eza wana matembeleza wana bite kute kunga inga biloko tu wana mwana kokoma malnutri ndenge nini tout ça c'est quoi les gens préfère rester à la maison ndenge nazo mona batu misuna Kinshasa yaya ah nazo sala ba démarche nanga o nazo sala boy nazo sala boy mais papa entre temps a jezo kende er ya nzoto moto ya ko sala musala yo zo sala te kenda ta na ba ferme wa sala musala ko koma mutu nte ozoze la kaka banome yo PDG a Jekamine ah bon e ko sala lelo banome yo mandataire public o nazana vie nanga wana kala mingi te vous pouvez créer l'emploi. Il y a M. Trifon Mabanza qui m'a envoyé un document, merci beaucoup, je l'ai reçu. Ne pas mêler Dieu aux actes terroristes, comprendre les corps, les COVID-19 et les causes de la mort. Voilà, c'est un livre que j'ai reçu hier. Et à Tindelinga, ne pas mêler Dieu aux actes terroristes, voilà. C'est M. Trifon Mbumba Mabanza qui est né à Kinshasa, voilà, en République démocratique du Congo. Il a écrit ce document, c'est mon document parce que. Il y a quand même Makambu ébélé, la mort propre, et la théorie de la connaissance de la mort. Et en tout cas, c'est bien ce document. Le concept de la mort, et puis historique du problème au Moyen-Âge,
Donc, c'est un document, lui-même, accident vasculaire, et c'est vraiment la maladie comme cause mixte de la mort. Et il a parlé aussi des aspects politiques, il y a documents au local abino bolingiba politique, les problèmes de l'au-delà, les problèmes de l'âme. C'est vraiment un vrai document que j'ai eu hier soir. Je pense que je vais devoir les décortiquer na et na kokako pour y bah les causes artificielles de la mort, les phénomènes expliqués, inexpliqués par la science, mais considérés comme cause naturelle de la mort. Oh, c'est fantastique. C'est vraiment un bel ouvrage. Vous pouvez les commander sur Amazon. Beaucoup de documents. C'est vraiment un bel un bon document. Oyo kotanga ko sala mo lecture izalaka vraiment bien parce que izana aussi un autre document que je vais vous parler que nous avons besoin mais lobi na senga kibino mutu ya mutema malamu soki akozwa sombelinga livre l'invention de l'Afrique. Il y a Valentin Yves Mudimbe. Il y a un autre document que je vais vous demander aussi. Voilà, merci Bandekolanga Tosuki Swana pour Nalelo. Mais Mituna, toute la semaine, au Salelina Nibolam. Tout ça, là, comme moi, inventaire. Mais toute la semaine, au Saliba Touboni Mabe, na Maloba, na Kokoma, na Kosala, Batouboni Mabe. Et le pays, nous allons l'échanger, na Kosala Kamabe, Koleka Boulam. Ce qui Batouni, au Salini Niamalamu, qui peut faire avancer la République. Au Komona, aux Anas zéro. Mais il y a Mabe, Kofinga Batouzaï. Koko se la batu makambo zayo, kotye la batu poison zayo, koboma batu zayo. Donc, yo, olinga kate mtu amata. C'est pas possible. Tomona niti. Toloba kina bino, désormais, boko banda ko landa, 100% sur notre site, 100%, pesa moninga sourire, boko banda pe ko landa, mbela nabakonzi. La population, azo lance mbela nabakonzi. Tokotani. Merci.